Bienvenue à cette nouvelle édition Zoom Eco Live qui vous donne l'essentiel de l'économie en République démocratique du Congo, principalement les activités économiques. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de nous suivre encore aujourd'hui. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons déjà démarrer avec toutes nos rubriques au rendez-vous, mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Sans nouvelles en bref avec cette information. La ministre d'État en charge du portefeuille a présenté au Conseil des ministres du vendredi 24 juin 2022 les projets de la mise en œuvre de la directive présidentielle du 18 mars 2022 relative à la digitalisation des entreprises de portefeuille de la République démocratique du Congo. Au total, 29 entreprises sont concernées par cette réforme. Celle-ci vise d'une part à assurer la traçabilité de leurs opérations et d'une autre part à instaurer une gestion transparente. Autre nouvelle, intervenant au Conseil du ministre du vendredi 24 juin 2022, la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Eve Bazaïba, a présenté les dossiers relatifs au barrage hydroélectrique de Sombwe situé au territoire des Mitoaba dans la province de Haut-Katanga. Selon Eve Bazaïba, les territoires de Mitoaba est les plus dépourvus de la province du Haut-Katanga et ne vit essentiellement que de la pression sur la forêt des Miombo. Pour elle, la localisation du barrage de Sombwe d'une capacité de 125 MW permettrait de couvrir le besoin en énergie de plus de 100 000 foyers et de survenir aux besoins de l'industrie minière afin d'accroître le niveau de la production. Avant de clôturer, signalons que les recettes touristiques de la République démocratique du Congo ne représentent pas grand-chose dans les budgets de l'État. Les ressources affectées aussi sont marginales. Dans son rapport mensuel sur l'évolution de l'exécution budgétaire, le ministre du Budget note que le gouvernement congolais n'a décaissé que 3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,5 million de dollars américains, en faveur du secteur du tourisme depuis le début de l'exercice 2022. Et pour finir, le coût de la vie demeure élevé en République démocratique du Congo en dépit de la stabilisation économique observée au cours de ces derniers mois. Cet envolé du cours de la vie est alimenté notamment par la hausse de prix de produits de première nécessité importés à cause de la situation de la guerre en Ukraine, mais aussi la persistance de la pandémie de Covid-19. Ces indications ont été fournies par la gouverneure de la Banque centrale du Congo au cours de la 59e réunion du Conseil des ministres à laquelle elle a été conviée. Voilà, des retours sur ce plateau. Nous allons déjà aborder notre toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés. Nous avons prévu parler des frais décaissés au profit du Sénat en fin mai 2022. Ah ben oui, la question revient sur cette table et nous en parlerons tout de suite avec Judith Unamaka. Suivez. Voilà, Judith Onomaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, ma première question de savoir, avant d'aborder la question telle que présentée dans notre conducteur, nous avons toujours l'habitude de faire ces petits voyages avec vous pour prélever le taux. Le taux de la BCC, c'est celui qui est taux officiel, mais également le taux du marché parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? En réactualisant la cote de bourse aussi bien sur l'officiel que dans la partie parallèle, l'on constate que sur l'administratif, 1 dollar s'interchange à 2004 francs congolais, 1 franc CFA se permute à 3,23 centimes et 1 euro se troque à 2121 francs congolais. Dans le segment parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui le riz et dans cette circonscription, 1 dollar s'évalue à 2020 francs congolais, 1 franc CFA vaut 3,30 centimes et 1 euro représente 2173 en francs congolais. Alors la thématique du jour nous parle justement de cet argent, ces frais débloqués au profit du Sénat en fin mai 2022. Mais avant tout, j'aimerais qu'on fasse un petit récapitulatif pour parler de 2021. Principalement, on peut aller slalomer vers le mois de décembre. Combien exactement le Trésor public a déboursé pour cette institution publique? Au cours de l'année dernière, le Trésor public a sorti un montant total de 198,5 milliards de francs congolais, soit 99,2 millions de dollars américains. Les anticipations linéaires durant cette période en faveur du Sénat ont été de 126,7 milliards de francs congolais, représentant 63,3 millions de dollars américains. Le pourcentage de réalisation a été donc de 156,6%. Voilà, je pense que le tableau est clairement présent. Parlons alors de 2022, principalement du mois de mai 2022. Combien le Trésor public a su allouer
au Sénat. Les dépenses de la Chambre haute du Parlement se sont donc levées à fin mai 2022 à hauteur de 132,6 milliards de francs congolais, équivalent à près de 66 millions de dollars américains en cumul annuel. Les crédits alloués aux dépenses du Sénat en 5 mois ont été de 81,8 milliards de francs congolais et signifiant 40,9 millions de dollars américains. De par ces données, ces charges ressortent une cote de concrétisation budgétaire de 162,1% à fin mai 2022. Toutefois, pour le seul mois de mai 2022, le gouvernement congolais a alloué en faveur du Sénat un montant total de plus de 31 milliards de francs congolais, comme pour dire 15,5 millions de dollars américains. Parallélisme assez bien présenté, tout est clair. Parlons aussi de la répartition de ces fonds. La distribution de cette somme au profit du Sénat s'est donc repartie de la manière suivante. La Chambre haute congolais a utilisé 103,2 milliards de francs congolais pour maintenir son fonctionnement, contrairement aux prévisions linéaires fixées à 53,7 milliards de francs congolais. Aussi, l'enveloppe globale transférée pour la rémunération durant cette phase est de l'ordre de 29,4 milliards de francs congolais sur des projections de 24,7 milliards de francs congolais. Et pour finir, exactement, sur toute l'année 2022, combien est-ce que le gouvernement congolais a prévu d'allouer au Sénat? Le total général des déboursements du Trésor public au profit de la Chambre haute du Parlement pour l'année 2022 a été fixé à hauteur de 196,4 milliards de francs congolais, soit 98,2 millions de dollars américains. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. C'était un plaisir. Voilà, après elle, nous allons cette fois-ci parler du dossier et ça nous sera présenté par Judith Piombo. Elle nous ramène un sujet sur les 500 000 personnes qui devraient être desservies en eau potable. Ah ben oui, elle apporte plus de précisions. C'est tout de suite. Alors, la thématique nous ramène principalement à Kinshasa. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Voilà, Judith Piombo, c'est avec vous que nous parlons de cette bonne nouvelle pour les Kinois. On parle ici des 500 000 personnes qui devaient être desservies en eau potable, mais au cours de la réunion du conseil des ministres passé, il s'est quand même soulevé une inquiétude sur le fonctionnement ou la mise en œuvre de cette usine. Qu'est-ce que l'on doit retenir exactement à ce sujet? Voilà, au regard de l'urgence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a insisté pour accélérer les travaux de construction de l'usine de traitement d'eau potable d'ici la fin du mois d'août de l'année en cours, bien sûr en vue d'approvisionner les quartiers et communes concernées. C'est quand même un projet important, on doit le reconnaître et l'avouer, qui prend en charge un bon nombre de personnes. Exactement comment ça va devoir se passer et qui sont concernés par ce projet? Alors, le projet du système d'adduction d'eau potable de l'usine Lemba Imbu devrait permettre d'améliorer le système de vie mais aussi de santé de plus de 500 000 personnes des communes situées à l'est de la ville de Kinshasa et entre autres Yamungafula pour ne citer que ça. On doit quand même reconnaître que la mise en œuvre de ce projet pose un tout petit peu problème au regard du retard. Quelles sont les mesures prises en charge par les autorités justement pour que ceci soit un succès? Pour ce faire, le chef de l'État a souligné la nécessité de consolider les efforts entrepris par toutes les parties prenantes pour résorber les retards, d'imprimer et maintenir ce système pour que les échéances soient tenues. Et pour finir, il a chargé les différents ministres, bien sûr, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, à prendre des dispositions appropriées pour évacuer toutes les contraintes identifiées dans le cadre de ce projet de construction de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Voilà, merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions et merci d'avoir partagé avec moi ce plateau. Merci à vous, Guichon. Justement, après le dossier, nous allons poursuivre notre tranche. Cette fois-ci, nous allons prendre ce qui est sur la chronique. C'est avec Patrick Bomboka. Il nous ramène une analyse. Restez donc branchés. Ne zappez pas, c'est tout de suite. Suivez. Bonjour. La République démocratique du Congo
est désormais considéré comme un pays propice aux affaires, selon l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Dans son dernier rapport, Bloomfield relève une amélioration de la notation souveraine de la République démocratique du Congo, cette notation étant donc établie en monnaie locale à BBB, ce qui signifie une note d'investissement à risque modéré avec une perspective stable à long terme. Au même moment, l'agence Bloomfield attribue à la République démocratique du Congo la note A2, ce qui veut dire une note d'investissement avec une perspective stable à court terme. Grâce à ces résultats, la République démocratique du Congo améliore sa position par rapport à la notation souveraine publiée en janvier 2022 par une autre agence de notation, à savoir Standard & Poor's Global Rating, qui faisait passer la note souveraine de la RDC de CC+C, qui veut dire risque substantiel, mauvaise condition économique, à B-B, qui signifie très spéculatif, risqué, avec des perspectives stables. Quant aux principaux facteurs de fragilité de la qualité des crédits, les rapports Bloomfield évoquent entre autres une stabilité de l'économie relative à la pression de la dollarisation ou encore un risque de change important sur la dette extérieure. Pour les analystes, le système de notation permet d'évaluer la solidité de l'économie d'un pays, mais aussi sa capacité à emprunter et à rembourser. Ils estiment en effet que le système financier de la République démocratique du Congo commence à devenir complet avec ces types d'indicateurs. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour nous amène des précisions sur le prix des sables et graviers. Vous pouvez être intéressé par la construction. Ah ben oui, vous n'avez plus besoin d'aller fréquenter l'avenue du tourisme ou plus loin pour avoir les différents prix de ce qui vient d'être dit tout à l'heure, sables et graviers. Il suffit seulement de rester tranquillement chez vous, tenez votre télécommande et restez scotché sur Zoom Eco Live puisque Zoom Wendy, c'est tout de suite. Suivez. Différents types de sable, gravier ou caillasse sont de nos jours utilisés dans la fabrication de blocs de briques ou béton essentiels dans la construction. Ce numéro Zoom Wendy vous en donne plus de précisions sur le prix. C'est maintenant. On commence notre marché avec un pouce-pouce de sable qui se vend à 7000 francs. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer en grande quantité où une tonne de sable revient à 22 000 francs. 30 tonnes de sable coûtent 320 000 francs pour le marché de Kinshasa. 60 tonnes ou un camion de sable revient au prix de 500 $. Pour le prix de gravier, un pouce-pouce de caillasse se vend à 10 000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer en grande quantité où 20 tonnes de caillasse revient à 600 000 francs. 30 tonnes se vend à 800 000 francs. Pour le prix des moellons, qui est une sorte de pierre de construction maniable par son poids et son encombrement, où l'on trouve 20 tonnes de moellons dans le marché de Kinshasa à 250 000 francs. Et 30 tonnes coûtent 850 000 francs congolais. Ce fut un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de noter vos différents rendez-vous et aujourd'hui, 27 juin 2022, Ada Sagrasse revient avec son agenda. C'est tout de suite.
Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par vous signaler la conférence de presse de la 9e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa qui se tiendra ce mardi 28 juin 2022 à partir des 10h à l'Académie de Beaux-Arts. Cette fois-ci, Futur fait mal organise une activité dénommée l'avenir du nouveau travail sous un format virtuel ce mercredi 29 juin 2022 et sera axé sur la nouvelle culture du travail, là où la mission et la vocation deviennent plus importants. Et pour finir, la foire de la culture avait débuté le 20 juin dernier et se clôture ce jeudi 30 juin 2022 au terrain de l'INEPES à Kinshasa. 20 000 francs et les droits de participation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous avons pris l'engagement et la décision de toujours accompagner l'entrepreneuriat féminin-masculin ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Ah ben oui, notre rubrique qui s'en occupe s'appelle Article 15. Aujourd'hui encore, une nouvelle porte s'ouvre. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos lunettes pour le croire. Restez donc connectés, suivez une activité qui pourra peut-être vous emboucher le coin. Il le fait pour gagner et nouer les deux bouts de ce mois. Article 15, c'est tout de suite. Ma difficulté est Zali. Dès que vous abonnez sur ma haute, sur les périodes dans l'autre, vous souffrez, vous faites le cabo et pour là, vous faites le cabo et pour là, vous prenez le moco, vous pouvez se mettre à panier, vous prenez ce bébé, vous perdez, donc ma difficulté est au coup de la noix en guane. Conseil à vous, c'est ma maman, Neza, Babima. Je suis un peu plus de temps. Bana baya comme biso ba fazer na ba balabal batika biso to te kaka pardon pena na sengi bango ba sima biso batika biso to te kaka Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.